Vous croyez que la poésie est là, ou vous croyez que la poésie se contient dans la paume d'une main? Si c'est dans un cœur, ce n'est pas dans un torse, ce n'est pas dans une bite. La poésie est un monde, la poésie est rebelle, la poésie se pose des questions quant à la prochaine révolution. Ce dont tout le monde veut, c'est l'attirance vers le bas dans ta mère. Mais quand t'es au plus haut de ta merde, tu bats l'attention aux déjections. La déjection de la poésie. Tu sais, je te vois, toi. L'amour est infini. L'amour ne meurt jamais, mais il faut le trouver. Et quand tu as infiniment cherché l'amour, t'en veux plus! Car ta quête de chercher l'amour, c'est de le chercher. Vivre avec un amour est insupportable! Tu n'aimes pas parce que tu passes tes journées à Ikea! L'amour est médiant, l'amour est médiable, l'amour est inventé pour te soumettre et chaque matin dans les mêmes chiottes. Mais qu'a-t-on inventé? Les chiottes séparées? Tous les matins, je prie Saint-Jacob de la Font de me la foutre bien profond. Mais je ne crois pas que Dieu que ce soit... ni de l'un, ni de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. L'homme s'est-il passé par l'anus? Il avait deux trous. À qui se confier? Bon, on est tous passés par le même trou. Soit Dieu, soit l'homme. Mais l'homme n'est pas sodomite. Il est thermonucléaire! Quant à l'homme, avec un grand H, il fallait y réfléchir à deux fois. Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, ah non, rigolez pas, là, c'est pas drôle. Premièrement, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il sperme, donc il se sperme et tout. Deuxièmement, il engendre, bah voilà la famille. Tertio, il érupte, il ne bande pas encore, mais c'est lui qui décide de ce qu'il doit manger, de ce qu'il doit boire, de ce qu'il doit dormir. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il est seul? Il cherche l'âme sœur pour le coucher, le border, le faire chier. Et c'est reparti. L'homme sperme, l'homme engendre et il se noie dans ses propres excréments.